voudrions, au nom du Premier ministre et toute la délégation qui m'accompagne, vous dire sincèrement merci. La Côte d'Ivoire est maintenant un grand pays, un pays stable, un pays sur la voie d'un développement encore plus accéléré. Je lance un appel à l'apaisement. La Côte d'Ivoire, malgré les soubresauts, a connu 9 années de paix relative. Et il faut que cette paix continue jusqu'aux élections et après les élections. La paix est notre bien le plus précieux, comme disait le président Félix Houphouët-Boigny. Nous allons travailler à ce que cette paix se consolide davantage. Je demande aux guides religieux de continuer de prier pour la Côte d'Ivoire, pour la paix dans notre beau pays, pour l'union des Ivoiriens et pour la santé de chacun et de chacune de vous. Je vous remercie.